Cette campagne de sensibilisation est placée sous le thème « Vacances saines et responsables, sans grossesse, sans IST, sans VIH et sans hépatite ». À travers cette campagne, l'on entend sensibiliser et conscientiser les adolescents à éviter certaines maladies contagieuses. Le programme national de riposte du ministère de la Santé publique et les partenaires du système des Nations Unies ont planifié cette année, dans un cadre conjoint, des vacances sans VIH, IST, sans grossesse précoce à l'endroit des adolescents et des jeunes vacanciers. Pour les représentants de l'ONU-SIDA, cette campagne vient à point nommé. Cette campagne est essentielle. Il faut utiliser ces vacances comme des opportunités pour pouvoir leur donner plus d'informations afin qu'ils puissent avoir des comportements qui soient en ligne avec leur vie, leur projet de vie. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention a souligné que cette initiative cadre avec la politique prônée par les autorités sanitaires en matière de prévention contre les maladies. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a adopté dans la même logique en avril 2022 une approche dénommée modèle différencié de soins pour répondre aux exigences des actions prioritaires en faveur des adolescents et jeunes. Cette campagne de sensibilisation, lancée dans le cadre de lutte contre les maladies contagieuses, se déroulera pendant toute la période des vacances.